gens, bienvenue sur frappestesjeux.fr ou sur mon blog Dissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo de notre aventure sur The Witcher 3 Blood and Wine sur PC. Donc je rappelle, un jeu qui m'a été offert par Citoyen et dont les extensions ont été offertes par Thibaut, merci à eux deux. Nous sommes actuellement face à un superbe coucher de soleil avec la duchesse Henrietta et Damien, son, on va dire, commandant des armées. Je ne suis pas trop... quel est son grade? Je ne sais plus. Et ceci nous proposait de nous rendre sur le vignoble où est créé le sangréal. Où est réalisé, je sais pas comment ça se dit quand il s'agit de vin. Voilà, je manque de vocabulaire, c'est terrible. Il faudrait que je fasse des upgrades de ma... Qu'on appelle ça? Ah, je suis perdu, je suis pas assez réveillé, je crois. De ma... Général. Bref, tant pis. De mes connaissances générales, mais c'est pas le bon terme. C'est pas grave, allez hop, on y va. Nous attendons tous, vous nous retardez. Pouvons-nous partir pour Castel Ravello? Oui, nous le pouvons. Oui, on peut y aller. Excellent. Laissez-moi le temps d'enfiler quelque chose de plus adapté et discret. Ensuite, nous pourrons y aller. Et tu pouvais pas y aller pendant que je te faisais attendre? Non, parce que vous me dites déjà qu'on est en retard, que je vous retarde, tout ça, mais je t'ai dit non, j'attends, et du coup, t'aurais pu y aller. Quoique, quelque part, non, parce qu'elle ne savait pas quand est-ce que j'allais revenir. Et oui, c'est ça qu'il faut prendre en compte aussi. Par contre, s'il a un cheval attitré et qu'elle se balade avec ce cheval-là, il y a des chances pour qu'on la remarque quand même, hein. Mais c'est le cheval de la duchesse. Comment ça se fait que ça sur le cheval de la duchesse? C'est qui celle-là? Elle pourra répondre, mais non, je suis pas de mes et... Non. Je sais pas si on est encore sur la carte. Ou ailleurs. Avez-vous déjà rencontré des vampires de ce genre? Oui. Comment cela s'est-il fini? L'avez-vous tué? Je n'ai pas eu à l'affronter. Il n'avait tué personne. Savez-vous si quelqu'un a déjà réussi à vaincre un tel vampire? Je connais quelqu'un qui en a bel et bien vaincu un, mais il n'a pas réussi à le tuer. Seul un vampire peut tuer un autre vampire pour de bon. Le truc, c'est que je sais pas trop où je... Ouh, il y a quoi là-bas? Ah non, ça doit être des gardes avec des torches, ou des habitants avec des torches, je sais pas trop... Ce que j'aimerais bien savoir, mais en tout cas, c'est... Attendez. Je vois la carte. Pour savoir exactement où nous sommes. Ok, donc le vignoble de Castel Ravello, c'est celui-ci. On est parti du château qui était là. Ok. Donc, non, Castel Ravello. Ah, mais attendez. Oui, maintenant, je m'en souviens. On avait fait le Coronata. Et un autre... C'était Castel Ravello qu'on avait aidé. Et ils avaient hérité de quel coin? Il y avait deux vignobles qu'on avait aidés, mais je ne sais plus lesquels c'était. C'était Ravello et Coronata? Il me semble... Je sais plus. Passez vite, tablette. Les panthères ont attaqué le chariot. Il faut intervenir. N'approchez pas, ma... Allez. Laissez-nous nous en charger. Arrière, sale bête! Oust! Ils vont se calmer, les chats, oui. Arrière, sale bête. Elle est où l'autre? Elle est par là. Allez, sauvez-nous. Et j'ai des ralentissements, franchement, ça a redémarré mon PC parce que c'est de pire en pire là. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, poursuivons notre route. Sans vous, nous ne serions plus de ce monde. Ils ont eu de la chance qu'on arrive. Vous nous avez sauvé la vie. Hourra ! Où est Ablette ? Elle est là. On va se manger un petit rayon de miel. Parlez-moi de ce vignoble. Castel Ravello, c'est ça ? C'est le meilleur de tout ça. Il est géré par un vieux maître vigneron, Fabricio. Et on peut lui faire confiance ? Il occupe ce poste depuis des années.
Il n'y avait jamais eu de problème. J'aimerais avoir votre avis, Gérald. Comment la tâche de sang réal a-t-elle atterri sur le papier? Quelqu'un du vignoble fait-il chanter le vampire? Ça pourrait être un serviteur, l'intendant. Ou bien le vin vient juste d'être dérobé au domaine. Nous le saurons une fois sur place. Ce n'est plus très loin. Ou bien il y a un traître parmi les gens du château. J'opterais très plus pour une solution de ce type. J'ai quand même des gros ralentissements, c'est un peu dommage. Capitaine de la tour, nous n'attendions aucune visite du palais. Comment vont les affaires à la cour? Vous avez sûrement entendu parler de la bête de Beauclerc. Eh bien, nous avons fort à faire. Surtout depuis que cette crapule a attaqué dans les jardins du palais. J'espère que son illustre Altesse n'a point été blessée. C'est gentil de vous inquiéter, Maître Fabricio. Je vais bien. Votre Majesté? Nous n'avons point été prévenus. Je vais donner l'ordre de préparer le salon. Ce ne sera point nécessaire. Comme vous pouvez le voir, ce n'est point une visite officielle. Naturellement. Puis-je savoir ce qui vous amène à Castel Ravello dans ce cas? Je connais cette voix. Ah, faudrait que je la rentende, mais j'ai l'impression que c'est... J'ai l'impression de l'avoir déjà entendue autre part. Ça ne serait pas étonnant vu la qualité du doublage dans le jeu, mais... Ah, j'arrive pas à me souvenir. Nous voulions vous voir. Nous avons des questions. Dans cette région, il est plus poli de se présenter avant de poser des questions. Voici Gérald de Rive, un sorceleur. Je l'ai invité personnellement à venir à Toussaint. Ce qui veut dire? Que j'attends que vous le traitiez avec le plus grand respect. Oui. Bien sûr, Votre Majesté. Avez-vous entendu, sorceleur? Fabricio sera ravi de répondre à toutes vos questions. Parlons un peu du sang réal. Je suis à votre service. Il a pas l'air d'aimer être au service de Sa Majesté, mais après je peux me tromper, c'est l'expression qu'il a, il a pas l'air joyeux. Ou alors il a peut-être des soucis, il faut que j'arrête avec ça, d'avoir des préjugés et de juger les gens comme ça, c'est pas bien. Qui a accès au vin? Comment transporte-t-on le vin? Et vous a-t-on volé du vin? On va commencer par... Vous a-t-on volé du vin? Il se peut que du vin ait été volé. Nous n'avons encore aucune certitude, mais y a-t-il eu des vols récemment? Des vols? Pas à ma connaissance. Et puis, j'ai fait l'inventaire il y a quelques jours, il ne manquait absolument rien. Les fûts sont à l'abri dans la cave, je vous l'assure. Qui transporte les fûts jusqu'au palais? Nous avons notre propre garnison. Des gardes qui servent ici depuis des années et se porteraient garants du vin sur leur vie. Cela ne nous avancera à rien de poser des questions. C'est une perte de temps. Votre Majesté, qu'entendez-vous par là? Maître Fabricio, nous avons la preuve que quelqu'un a eu accès au sang réal. Quelqu'un qui n'en avait point le droit. Alors de deux choses l'une. Soit vous nous mentez, soit vous êtes un idiot qui s'est fait voler du vin sous son nez sans s'en rendre compte. Dans les deux cas, vous devrez en répondre. Mais non. Mais non, mais arrêtez, le pauvre. Silence. Et écoutez-moi bien. Je vais aller inspecter les fûts en personne, ce qui vous laissera le temps de réfléchir. À mon retour, j'exigerai des réponses. Non mais c'est quoi cette femme? Rappelez-moi, où stocke-t-on le sang réal? Dans la cave principale, juste au coin. Je vais vous montrer. Je saurai la trouver. Donnez-moi la clé et attendez ici. Oui, bien sûr, Votre Majesté. Ça se trouve, il y est pour rien. Calme-toi. Venez, sorceleur. Oh, mais... Ah, tu lui fais du mal, là. Nous attendrons ici. Je n'ai rien fait de mal. Mais c'est ce que je me dis aussi pour l'instant. Je ne sais pas. Tu juges trop vite, Anna. C'est pas bien, ça. Et si c'était Fabricio qui faisait chanter le vampire? Vous y avez pensé? Non. Il a des défauts, mais jamais je ne pourrais le soupçonner d'une telle chose. Il est très loyal. Il me doit tout ce qu'il a. Son père a dilapidé la fortune familiale. Il a laissé à son fils un savoir encyclopédique sur le vin, c'est tout. Fabricio vivait tel un train de misère avant que je le nomme intendant de Castel Ravello. Ce n'est qu'alors qu'il a commencé à s'épanouir.
Non, et est-ce que tu as pensé, Anna, hein, Madame Andraeta, si tu préfères, que le traître pouvait être dans le château en train de boire avec vous à votre table? Non, ça t'a pas traversé l'esprit, hein? Au lieu de l'accuser de faire des bêtises, tu pourrais très bien dire: nous avons besoin d'enquêter, il ne sert à rien de poser des questions, nous allons aller voir la cave. Alors, par où commence-t-on? Voyons s'il ne manque aucun fût. Voici le registre d'inventaire. Lisez le registre de la cave. Pourquoi ça ne m'affiche pas le document en question, comme si je venais de le ramasser? C'est dommage, ça. Alors, registre de la cave, ils sont où les documents? Ils sont là. Objet de quête. Trouvons le livre. Ça, je l'avais déjà vu, je crois. Vieille carte de Toussaint. Note grasse. Non. Bah alors ils l'ont mis où? Ah! Non, lettre suspecte. Surtout, je pense que ça aurait mis un élément supplémentaire sur le... Ah! Carte de Jean-Louis Ludovic, non. C'est vrai que j'ai des tableaux aussi, ça c'est quoi? Notes divers. Sauf conduit. Bon, ils l'ont mis où le registre là? Pareil qu'il faut que je lise, mais je le vois pas dans mon inventaire. Sommation de la duchesse, lettre non envoyée. Lettre du chasseur, lettre de l'épouse du comte Pélédal. Sanglanté, rapport inachevé. Schéma du pantalon non traduit. Ordre, première carte d'Ibrahim. Sérieusement, c'est dommage qu'il n'y ait pas une fonction de recherche par rapport au nom. Certificat, sauf conduit, courte lettre, script, lettre parfumée, lettre à Calais-Menin, lettre non expédiée, laissez passer, belle et dalle, note mystérieuse, sauf conduit. Donc ça n'a rien à voir avec tout ça. Nous allons aller voir les autres documents. C'est dommage de voir tous ces vérifiés un par un là. Ou alors j'ai raté quelque part. Yarn. Non. Si ça se trouve, je suis déjà passé dessus sans avoir lu correctement, c'était le registre. Parce que je regarde la première lettre, en fait. Trier les objets. Ah, mais d'accord, il est là le registre, il est pas dans mon inventaire. Punaise, le mec qui traîne en rond. Qui tourne en rond. Le journal du vigneron. Fermentation terminée sans complication. Percée au-dessus de la ligne de dépôt. Et voilà, la mise en fût. À première vue, tout est en ordre. Tout est parfaitement détaillé. Alors suivons notre autre piste. Benoît disait que la tâche venait du millésime 1269. Trouvons-le. Ok, je pars à gauche. Ah bah tiens. De l'Hervélus. C'est un vin sec. Ah non, mais c'est le sangria qu'il faut, je suis bête. Vous avez bon goût. Est-est. Est-est. Je crois que tout le monde a entendu parler de ce vin. C'est un des meilleurs au monde. Castel Ravello est réputé pour sa production.
Du Fiorano, le préféré de Jasquet. Il en raffole. Ah, oui. Lui et son palais soi-disant sophistiqué. Il y a du pomino ici. J'ai dû rater les affichages. Ont-ils bien pu mettre le sang réel ? Ah, il y a un étage. Il y a un étage. Alors, comment on fait pour y accéder à cet étage ? Ah, je crois que j'ai trouvé l'escalier. C'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose, en fait. Hein. Voyons voir. Ah, non, 1270, c'est pas le bon. 100 réal, millésime, 1270. Ce n'est point la bonne année. Cherchez encore. Merci, madame. Je ne vois rien à observer par ici. Ah, mais j'arrive pas à passer. Sur celui qu'il y a au fond. Du sang réal. Ah, mais non. Les fûts sont datés de 1268. C'est proche, mais pas la bonne année. J'espère que t'es pas descendu. Non, c'est bon. Et voici la dernière étiquette, donc à tous les coups, c'est celle qui reste. C'est la seule qu'on n'a pas faite pour l'instant. Le voilà, le sang réel. Là, 1269. Et maintenant ? Voyons s'il y a un fût vide. Vous voulez les ouvrir ? Pour l'instant, tapons simplement dessus. Si ça sonne creux, nous aurons trouvé ce que nous cherchons. Et hop, c'est parti, je commence à gauche. C'est plein. Celui-ci est plein. Celui-ci est plein aussi. C'est plein. Celui-ci est plein aussi. Et il ne reste que celui-ci, qu'elle a laissé, donc est-ce normal ou pas? Ils sont tous pleins. C'est plein. Tous les fûts ont l'air pleins. J'ai bien peur que ce soit une impasse. Il faut aller voir au château. Oui, ils sont pleins. Mais contiennent-ils bien du sang réal? Prenez un robinet et un marteau. Nous allons les ouvrir un par un et goûter. Je sens que ce n'est pas une idée des plus aboutis, ça, trouver des robinets pour les fûts, trouver un marteau de mise en perce. Okidoki, alors, voyons voir où est-ce que nous pourrions trouver ça. Ah, là-bas, il y a un truc qui brille. Et l'autre côté aussi. Les trucs qui brillent, généralement, dans le décor, ça peut être très arrangeant. Des robinets de fûts. Et voilà. On aura tout gâché, là. Alors au travail, mettons ces fûts en perce. Prêt. Écartez-vous. Elle va tous les goûter. Elle est complètement... Alors ? Je reconnaîtrai ce goût entre mille. Délicieux. Encore un verre. Ah. C'est révoltant, de la piquette. En vieillissant, il a pu devenir aigre. Impossible, ce n'est point du vin. L'immondice qui se trouve là-dedans n'aurait jamais dû être mis en fût. Son contenu n'est point arrivé là par hasard, j'en suis sûre. Alors allons voir ce que Maître Fabricio a à dire à ce sujet. Mais... Maître Fabricio, je suis fort désappointé. Mais, Votre Majesté,
Je... Vous êtes à deux doigts de perdre la tête. Dites la vérité si vous tenez à la garder. Quelle vérité? Le mec, s'il en sait rien. Je l'admets. J'ai vendu un fût de 100 réals. Je vous supplie de me pardonner. Pourquoi avez-vous fait ça? Je n'ai point pu résister. On m'offrait une somme si faramineuse. J'ai cédé. Ne suis-je point assez généreuse? Je voulais racheter le domaine de ma famille. Ici, rien n'est vraiment à moi. J'ai un toit au-dessus de la tête à manger, mais qu'est vraiment un noble sans terre? Je vous dirai tout si vous acceptez d'être clémente. Je crois que je suis trop gentil, mais je pense qu'il sait qu'il a fait une bêtise, c'est pas la peine d'en rajouter des couches. À qui avez-vous vendu le vin? À qui avez-vous vendu le vin? Il y a quelques semaines, à la faisanderie, un riche noble s'est présenté. Il disait être diplomate avec de bonnes relations à la cour. Il m'a proposé de faire affaire. Certains de ses clients lui avaient proposé des sommes vertigineuses pour une seule goutte de 100 réals. Il devait servir d'intermédiaire. Le nom de cet homme? Il ne l'a jamais dit. Il était grand, cheveux noirs, et il parlait avec un accent étranger. Il disait venir de Sintra. Il n'y a aucun aristocrate cintrien à ma cour. Le vin, comment l'avez-vous livré? Nous nous sommes rencontrés après le crépuscule dans les ruines de Fort Astre. Une dizaine d'hommes est venue récupérer le vin. Des hommes armés, patibulaires. J'ai transporté un fût là-bas. Eux l'ont transféré sur leur chariot. Puis chacun est reparti de son côté. C'est tout? C'est la dernière fois que vous les avez vus? Eh bien, il y a quelques jours, un messager est arrivé. Il m'a dit qu'il voulait acheter un autre fût, et je l'ai préparé. Il est prêt à être livré. Ça ira, nous en savons assez. Votre Majesté, j'implore votre pardon. Hors de ma vue. Capitaine, dites à vos hommes de conduire Maître Fabricio au cachot. Il devra répondre de son crime. Il est accusé de haute trahison. Oh, la violence. Et maintenant, sorceleur? Le pauvre. Maintenant, il faut tendre un piège et capturer ces voleurs de vin. Le noble de Sintra est peut-être le maître chanteur. Je me chargerai du prochain transport jusqu'à Fort Astre. Damien et ses soldats me couvriront. Pour une fois, je suis d'accord. Yes. Nous suivrons votre plan. Prévenez-moi quand vous serez prêt. J'arrive, dans quelques secondes. Je dois me préparer. Faites vite, nous n'attendons que vous. Sauf s'il décide de venir. Mais attends, quelques secondes, je te prie, c'est juste histoire de pouvoir récupérer. Vous ne pouvez pas faire Kiamenina, et si Dieu veut faire Kiamenina. Votre Majesté. Le plus important reste à venir. C'est mignon. Laisse-moi dormir une petite heure. Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça maintenant? Ah, peut-être parce que je suis obligé de... Ah non, c'est bon. Voilà. Juste récupérer un petit peu, vous voyez, rien de grave, rien de méchant. Partie sauvegardée, on y va mon petit monsieur. Allez Damien. Mes hommes sont prêts. Nous attendons votre signal pour rejoindre Fort Astre. Il est temps d'attraper ces voleurs de vin. Je suis d'accord avec vous. Commençons. Inutile d'attendre. Mettons-nous en route. Nous partons tout de suite. Nous serons en place à votre arrivée. Prenez le chariot et rejoignez-nous là-bas. Bien. Quand l'échange commencera, attendez mon signal. Ça lui va pas si mal que ça, la capuche, au final, hein, mais... J'ai quand même du mal avec ces capuches. Des chevaux qui pop!
Ouh, jolie vue. Attention, la caméra va se prendre la annonce. Forast, on y était passé, il n'y avait rien à voir. Bonjour, monsieur le cheval. Du calme. On va attendre. Ses poings, lui, dis-le et tire-le. C'est pas lui que je voulais viser, pourquoi ? Aïe. Pourtant, j'ai essayé de parer. Super, je pars sur un mec et ça attaque l'autre. J'aurais peut-être pas dû le tuer, lui. Hop là, ça, c'est fait. C'est moi où nous avions convenu que vous attendriez mon signal. C'était le plan, mais... Joli tir. Heureusement que vous avez réagi. Je ne sais pas comment ça aurait fini autrement. À votre service. C'était un beau combat. On a pu capturer une de ces canailles. Qui ? On va lui poser quelques questions. Allons-y. Sorceleur, un instant. Je me trompais sur vous. Vous n'aviez aucune raison de vous fier à moi. Et je n'ai rien fait pour y remédier. Oui. Vous n'êtes pas le plus attachant des hommes. En tout cas, je constate vos efforts. Sachez que j'apprécie le geste. Allons retrouver Sa Majesté. Elle nous attend près d'ici. Cela ne me surprend pas. Je me doutais qu'elle voudrait superviser ça personnellement. L'œil du maître engraisse le veau. Vous commencez à le comprendre, on dirait. Votre prisonnier, amenez-le-moi, nous avons des questions à lui poser. Capitaine, à vous l'honneur. Qui vous a envoyé ? Le chien, on l'appelle. Pareil qu'il a culbuté ta mère. Je répète, qui vous a envoyé ?
L'amant de ta grand-mère, son nom c'est... Attendez. S'il refuse de parler, qu'à cela ne tienne. Il pourra se rendre utile autrement. J'ai eu une idée. Le sorceleur aura sûrement besoin d'un appât pour attirer la bête de Beauclerc. Hein ? Quoi ? Entrons dans son jeu. C'est vrai. Je suis à court. Dans ce cas, il est tout à vous. Capitaine, dites à vos hommes de me trouver une corde solide. Elle ne doit pas casser quand on pendra ce type à un arbre. Une corde ? Les monstres adorent les appâts vivants, à condition qu'ils sentent l'odeur du sang. Mais je m'occuperai de ça. Quoi ? Non ! Merde ! Ne laissez point faire ça ! Cesse de brailler, économise tes forces. Une longue nuit t'attend. Non, empêchez-le, je vais parler. Ces fûts, où deviez-vous les emporter ? J'en sais rien. Capitaine, finalement il va quand même me falloir la corde. Je sais point, jurez ! Ornith, le chef, il était le seul à savoir où elle est. Mais il est mort. C'est lui, là-bas. Le premier fût a été livré à un entrepôt du port. Mais celui-ci, j'en ai pas la moindre idée. C'est la vérité vraie, faut me croire. D'accord, et qui t'a engagé, mon ami ? Qui t'a engagé ? Mais il va me tuer. C'est de moi dont tu devrais avoir peur dans l'immédiat. Qui est-ce ? Allez, crache le morceau. Le Saint-Trien. C'est comme ça qu'on l'appelle. Je l'ai jamais vu, mais je sais qu'il a réuni les hommes pour cette combine. C'est ce qu'on m'a dit, qu'on roulait pour le Saint-Trien. Je sais rien d'autre, je vous jure. Emmenez-le et jetez-le au cachot. Il y attendra son procès. Capitaine, nous rentrons en ville. Rassemblez vos hommes et cherchez ce Saint-Trien. Quelqu'un d'autre a dû le voir, ou doit le connaître. Oui, Votre Majesté. Je viendrai faire mon rapport au palais dès que j'en saurai plus. Je ne retourne point au palais. Notre mission n'est pas encore terminée. Le sorceleur et moi vous attendrons au poste de garde près du port. Je vous rejoindrai là-bas. À plus tard. Nous attendrons votre arrivée. Oui, parce que comme vous le savez, je vais attendre pour récupérer ma vie et peut-être faire le tour aussi de toutes les choses qu'il y a au sol. Si on peut gagner quelques sous supplémentaires, je ne vais point m'en plaindre. Voilà. Ensuite, ça je prends pas. Ça je prends pas. C'est toujours un petit peu la même phrase, j'ai l'impression. Toc toc toc. Enfin, je sais pas combien je suis au niveau de l'inventaire. Je suis à 190 sur 230. Je pourrais me permettre d'en prendre, mais bon. Et j'ai pas envie d'aller revendre des choses en immédiat et je pense qu'on aura encore du monde à affronter. Quoique vous savez quoi, si on va tout prendre. Ok, on est à combien du coup là ? 216 ? Ouais, ça peut encore attendre encore un peu. J'espère que ça ne va pas être trop long. Et le point de déplacement rapide, normalement, est par là. Si mes souvenirs sont bons. Voilà, il est ici.
nous faut aller au port. J'hésite, mince. Ah. J'hésite. Ah, mais il faut pas que je clique milieu. C'est une mauvaise habitude sur d'autres jeux. Quand je clique milieu, ça déplace la carte, en fait. C'est pour ça. J'hésite. Alors, soit on fait ça, sachant que la vidéo va pas tarder à s'arrêter, je pense. J'hésite en fait à arrêter ici pour relancer une vidéo derrière. Afin de pouvoir, tout simplement, éviter de couper la mission. Et midi 40. Je vais au poste de garde dans le quartier du port. C'est une jolie vue. C'est très joli. Voilà, c'est là que nous devons aller. Donc oui, on sera une vidéo légèrement plus courte que les autres, ce qui n'est pas bien grave, je pense. Donc on va s'arrêter ici, j'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous avez passé un agréable moment, en ma compagnie. On se retrouve quant à nous très bientôt pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à aller découvrir les vidéos de mes camarades filmeurs sur frappstjeux.fr ou sur mon blog tissant3.fr. Passez une agréable fin de journée et à ciao tout le monde. Salut. Des rustres. Il n'y a que ça partout.